suicider, ça va. Tu peux susciter de la pitié sans le vouloir. Ah, il est jeune, pourquoi il a perdu sa jambe, mais ça fait mal au cœur. Et là, tout de suite, le fait que la prothèse soit customisée, c'est... Ah ok, il a amputé, mais... Ah oui, il s'est fait plaisir. Bonjour Kita, je suis Simon Collin, le créateur de la marque You Exist. J'avais en consultation des femmes ou des enfants qui se retrouvaient vraiment choqués en fait, au moment de la première présentation de la prothèse. Ils disaient « Non, mais là, c'est pas possible, je vais pas mettre ça. » Et donc, moi, dans l'idée, c'était de se dire « Mais pourquoi ça pourrait pas être une surface d'expression ?» Ça va ? Ça va, toi ? T'es père, hein? On va s'installer. Le fait de pouvoir la personnaliser, ça casse un peu ce mythe de la prothèse, du handicap, des limites. Tu peux susciter de la pitié sans le vouloir. Ah, il est jeune, pourquoi il a perdu sa jambe, mais ça fait mal au cœur. Et là, tout de suite, le fait que la prothèse soit customisée, c'est... Ah ok, il a amputé, mais... Ah oui, il s'est fait plaisir, il a personnalisé le... Et ça facilite tout de suite le dialogue, et je sais que même quand les gens ont des questions, moi, ce que j'aime, c'est qu'on vienne me les poser. Alors ça, c'est une blague pour les amputés spécialement. Prendre ses jambes à son cou. Classique. Ne pas en faire un tabou. C'est à ça que ça sert aussi le concept de You Exist et ce concept de personnalisation. Et c'est exactement ce que je recherchais. En dernière couche, on va venir placer notre motif, notre tissu imprimé, qui va être appliqué. Donc c'est réalisé chez l'orthoprothésiste sur un moulage et tout ça, hein, c'est pas fait comme ça. Hein. Mais chez l'orthoprothésiste, du coup, il applique le motif sur son moulage et dedans, il vient injecter une résine, ce qui va donner cet aspect vitrifié en définitive.